Eh bien, salut à tout le monde! Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur la ferme aux mille vaches, épisode 6. Et comme vous pouvez voir, nous sommes beaucoup, hein. Donc, je suis en compagnie de le simulateur Wallon. Salut à toi. Salut à toi et salut la compagnie. En compagnie de Coco Lastico, salut à toi. Salut à toi, salut à tous. En compagnie de la grille virtuelle, salut à toi. Salut à toi, salut à tous. En compagnie de Dimi, salut à toi. Salut à tous. Et en compagnie de The Gamer Simu. Salut, salut à tous. Et The Papa va nous rejoindre pendant la partie. Eh bien, salut à tous les farmeurs et farmeuses, comment allez-vous? Ben écoutez, moi ça va très très bien, et on se retrouve pour le grand retour de la célèbre série La Ferme aux mille vaches. Donc je suis en compagnie de Coco Lastico, salut à toi. Salut à toi, salut à tous. En compagnie de la grille virtuelle qui n'est pas cruelle, salut à toi. Salut à toi, salut à tous. En compagnie de The Gamer Simu qui a mal au cul, salut à toi. Salut, salut. En compagnie du simulateur Angevin, n'abuse pas trop sous le raisin. Salut tout le monde. Et en compagnie de Jean Gaming YouTube qui n'est pas dupe. Donc salut à toi. Oh putain, salut à toi, salut à tous. Donc voilà les amis. Donc Coco, il va aller à la benne champ 15. Il va, mettons, une fois que tu as déposé les trucs, tu iras chercher une moissonneuse. Oh, le coup de leg, truc de ouf. The Gamer Simu, tu vas au champ 15, la grille virtuelle champ 18, Simulator Angevin champ 16, et Jouant Gaming champ 16, et après tu pourras prendre aussi une moissonneuse, ou prendre une benne, ou prendre ce que tu veux. Donc voilà, moi je vais aller remplir mon semoir, donc les défis sont activés, donc attention à celui qui va faire des conneries. Ah bah Donc, j'en ai déjà fait une. Angevin, attention à toi, il y aura toujours quelqu'un pour te surveiller, t'inquiète pas. Moi, je suis l'homme Mince. qui tombe à pic, c'est-à-dire que dès que tu vas faire une connerie, je vais te tomber dessus. Donc, Ça me rassure bien. donc voilà, donc ce matin, Angevin, qui est la première fois qu'il tourne sur la ferme aux mille vaches, hein, d'habitude, t'étais dans la convo. Donc voilà. Non. Excuse-moi de te couper, mais il faut on amène les deux batteuses ou pas alors? Oui, tu Parce peux qu'en fait, ramener les deux batteuses. t'as mis Ok. personne pour les batteuses. Si, il y a Bah ceci. moi j'y vais là, j'y vais, comme j'ai posé la benne. Ouais, bah moi aussi, t'inquiète. Merde, il y a quelqu'un qui a pris ma place. Par contre, les amis, donc dans la vidéo, je changerai de temps en temps. Voilà. Tu l'as vu? Donc Il l'a la fait grille là. virtuelle, une fois que tu auras fini de pulvériser le champ 18, parce que ça va aller comme assez vite, sachant qu'il prend assez large, tira au fauchage et après, j'enverrai Angevin au fauchage aussi, et moi je reprendrai la place pour les pommes de terre. Gamer? Tu l'as vu la Bonjour! Gamer, tu l'as vu la patate ou pas? Bah oui, arrête de me shooter, putain! Ah, C'est j'ai déjà trop entendu galère shooter. les patates! Ouais, C'est galère les patates! Hein. Gamer? Quoi? Il a plus! Prends la batteuse, prends la batteuse. Ça y Elle est! Et la caisse, c'est Coco qui l'a. Elle est au champ, bah, c'est pour ça, c'est Coco Je qui suis le t'a. petit nouveau, donc bah voilà, je suis obligé de tout Quel champ, accepter. excusez-moi, mais quel champ? 15. Voilà. Je sais pas si on va dans le même champ ou pas. Bah, si, si, on peut. Voilà. Non, non, mais l'intelligence du mec, comment il me l'a mis un petit peu? Oh, c'est bon, gamer. Ouais, comment il te l'a mis Tu vas pas commencer. Putain, les gars, quoi. Il me l'a mis de travers, là. Truc de Oh. ouf. C'est Oh, putain, gamer, c'est carrément. gamer, tu vas pas commencer. Tu l'as mis de travers. Coco, je prends l'autre bout, donc quand je t'appelle, je serai à l'autre bout. Quand je suis plein. Ouais. Il The m'a fait gamer, mal il au arrive. cul, celui-là. The gamer, il arrive et commence à gueuler. Ça y est. Et en plus, il replie sa batteuse au lieu de déplier la. Donc, Petit là, défi! c'est en blé, Oh, d'accord. c'est pas une connerie. Hein. Donc, dans le champ 18, je Et vais l'arbre, hein. voilà. Ouais. Non. LS, pas il embrouiller gamer, dans. il a branché l'arbre. Pardon? Il y a ce gamer, il a branché l'arbre avec la batteuse. Oh, le mec! Et je peux dire des choses sur toi aussi. Hein. J'ai rien fait là. Ok, donc Si, t'as je. sucé le chef. Bon, Ça vaut un défi pour les défi. deux, hein. À défi. Ouais, donc Eh non, je vais vous laisser une chance, hein, je vais vous laisser une chance parce que c'est la reprise, hein, je sais pas comme ça. Oh, tu m'as fait peur. Déjà un défi, j'aurais eu peur. Hein. Mais Donc pour la c'est grille virtuelle, donc impossible. premier défi alors. Mais c'est les gars, t'as impossible peur. les patates. Les gars, quand vous êtes à 80%, vous me dites un mot. Ouais, pas de Et soucis. les Tu peux patates, pas. c'est impossible avec la machine sur le côté. Tu Ouais, prends que deux rangs. LS, tu Tu peux prends. Ah oui. Tu mets une arracheuse au pire. Comment? Tu peux pas avoir acheté une arracheuse.
Ah bah si. Bah oui, mais du coup, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas entré dedans. Donc du coup, va vider le peu de pommes de terre que t'as. Tu veux que je l'achète? Non, je vais l'acheter dans la machine. En fait, dans la benne, hein, ce que je veux dire. Et une fois que tu auras fini ça, tu me diras. Et je vais te réinitialiser en fait l'arracheuse de pommes de terre à la ferme. La grosse. Ouais. Oh, youpi. LS. Mais elle est pas pour toi. Oui. Tu vois, j'aurais pensé sinon si on a. Ah. Oh. Si on a assez d'argent pour commencer à. Tu sais, on avait dit dans un épisode qu'on allait s'acheter un camion, mais on l'a toujours pas acheté en fait. Oh, oui, bah ça va venir, ça va venir, oui, mais le souci. Et un pick-up, chef pour qu'il se déplace un peu partout pour voir ce qu'on fait. Ouais, c'est même pas le chef qui va l'utiliser, moi je sais c'est qui. Ouais, mais de toute façon, s'il y en a un qui l'utilise sans mon autorisation, ça sera triple défi. Hein. Bah, oh, au pire, non, je vais lui demander. Ouais, tu veux lui demander? Ah, mais il va demander tous les 10 secondes. En fait, tu vas tellement demander pour l'avoir qu'il va te foutre un défi. Voilà, exactement. Donc, de toute façon, le pick-up, je vous préviendrai pas, hein, quand je vais l'acheter, donc attention. Bah, moi je verrai l'argent de se vider du coup. Tu fais quoi, gamer? Bah, pour changer, je vais couper le champ en deux. The gamer, on voit The gamer, il arrête en plein milieu, il tourne dans le champ, et vas-y. Donc c'est vrai que ça fait comme du bien de se retrouver un peu sur la ferme 1000 vaches. C'est vrai que bon, je l'avais mis de côté, hein, parce que voilà, il s'était passé quelque chose. Mais bon, maintenant que tout est arrangé, donc on peut reprendre maintenant sereinement, on va dire, sur de bonnes bases. Donc voilà. Donc les abonnés qui regarderont cet épisode, hein, donc c'est l'épisode maintenant 8. Ouais, mais sachant que j'ai déjà supprimé deux épisodes. Le 6 ou le 7 Ouais, moi ça doit être le 6. Non, le 7, moi ça doit être. Enfin bref, je me rappelle plus. Bon, c'est pas tellement grave. Au pire, on mettra un petit logo au début de la vidéo, au pire. Oui, de toute façon, voilà. Donc, pour les abonnés qui veulent venir jouer, hein, donc, ben voilà, hein, c'est toujours d'actualité, on va dire. Envoyez-moi un message sur mon adresse mail qui se trouve dans la description. Voilà, vous viendrez jouer dans le prochain épisode. Donc, voilà. Par contre, quelqu'un qui a quand même un bon micro, ça je tiens à le préciser, un bon micro et une bonne connexion. Parce que. Voilà. Enfin, le minimum. Ouais, c'est vraiment le minimum, parce que la dernière fois, bah, c'est vrai que bah, de toute façon, il va se reconnaître, hein, Mathieu. C'est vrai que toi, t'avais pas un très bon micro, t'entendais pas trop, donc c'est vrai que pour les abonnés, c'est un peu dérangeant. Et en plus de ça, bon, je sais pas si c'est à cause de toi que le serveur crash, bon, ce que je pense pas, mais c'était un peu bizarre la connexion. Donc voilà. Ah, mais du coup, je suis plus le stagiaire, c'est en juin le stagiaire. Non, t'es toujours le stagiaire, t'es toujours le petit chien, t'inquiète pas. t'es toujours le petit toutou qui sert à tout. Bah quoi, tu préfères servir à tout que rester à un poste à faire tout le temps quelque chose, je préfère marcher. Donc du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un ouvrier sur le T9. Et je vais acheter mon pick-up. Malu l'autre bout à ma droite, Oui, c'est ce que j'allais faire. Chef, vous avez dit pas les ouvriers. LS. Ouais, mais là on est obligé, parce que dans le champ 18. T'es à ma gauche là, LS. T'es pas à ma droite. Oui, non, mais je vais le mettre à gauche, comme ça moi je ne prends pas. LS, et je vais acheter le pick-up. Non, bah t'as pas intérêt. Non, pas encore. Non, pas encore. Bah, sinon, tu manges un gros défi là, je crois. Wow, The Gamer, il roule. Hein, hein, LS. Bah, ouais, quoi, moi je roule. Hein. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, ce mec? Alors, voilà. Donc voilà, un ouvrier, c'est parti, let's go. Donc du coup, Angevin, t'as fini avec ta petite machine à pommes de terre là? Je finis avant de la remplir, je la remplis. Les meurs t'abuses. Bah c'est un peu con, parce que je t'ai acheté la grosse. Ouais, t'inquiète, je suis à 80%, ça va aller vite. Pourquoi y'a un ouvrier sur la T... Non, j'ai rien. Les meurs T9, c'est normal, sur le T9, c'est... Ouais, bah je croyais... J'arrive. Hop, troisième. Du coup, je sais pas si quelqu'un veut pulvériser un peu. Comme ça, je change un peu. Après, je voyais que les. Joue, t'es plein à combien? Je suis qu'à 66, moi. Donc, okay. En juin, la machine à pommes de terre, je te la ramène au champ. Voilà, elle est là. Merci, patron. Merde, je me suis mangé presque la branche là. Allez, un défi. Non, presque la branche. J'ai pas dit, je m'étais mangé la branche. Et les patrons, c'est pas le défi. Flou, je sais pas si tu veux pulvériser un peu. Arrête-toi, je suis plein. Ah merde, j'étais dans la remorque, c'est pas grave. Donc moi je vais aller nourrir les animaux. Voilà, parce qu'à mon avis, les animaux. Donc on va racheter aussi des animaux, hein, du coup.
On va racheter aussi des animaux. Et vous êtes à combien en animal? Alors, 100, je vais te dire ça. 50 ou 200, je crois. 200, je crois. Je vais te dire ça tout de suite. Sélectionner une catégorie. Donc là, ouais, on est à 200. Donc on va monter jusqu'à... Bah, jusqu'au maximum, parce qu'il reste plus beaucoup d'argent. Non, parce qu'il faut en garder. Je pas. Comment, Coco? Je veux pouvoir quitter, je peux pas rouler dans les cultures. Essaye de garder au moins 200. Essaye de garder 200 000 au moins. C'est que là, je me suis pas mis du tout dans le bon sens. Donc là, on est à 222. Ah bon, 222 000? Je t'attends là. Ouais. Ah non, 222 vaches. Laisse-moi remonter un petit peu. Ah oui, 222 vaches, oui. Là. Donc du coup, oui, je vais commencer à faire le mélange total. Du coup, est-ce qu'il y a du fumier à curer là? Le seul petit truc qui est dommage que je trouve, c'est que tu peux pas faire d'achat groupé de vaches. Genre, tu peux pas acheter un lot de 10, un lot de 100 ou un lot de... Ouais. Du coup, les gars, arrêtez-vous. Je sais pas combien c'est. Arrêtez-vous où vous êtes, je vais accélérer un peu le temps. Okay. Ah bah moi je vais mettre un ouvrier parce que plus levé. Je vais faire d'autres. Vous me dites quand vous êtes tous arrêtés. Vas-y, c'est bon. Arrêté. Vas-y. C'est parti. Parce que même on voit quand t'avance le temps, ça bug. Ouais, c'est pour ça que je l'avance pas d'un coup, je l'avance au fur et à mesure pour éviter de faire crash le serveur. Ouais, par contre, avance. Ouais, merci. T'es bon, Chou? Ouais, c'est bon. Okay. Copeau de bois. Voilà. Eh, d'ailleurs, faudrait qu'on fasse du bois parce que maintenant que c'est lag pas. Ouais, mais non. Faut déjà voir si c'est le bordel avec les abonnés, avec l'agriculture. Parce que si on, c'est le bordel avec les abonnés, avec le bois et tout, bordel. Tout le monde sera tiré par le bois après. Ouais. Donc c'est qui est avec moi là? Moi, je suis là moi. Ok, ça marche. Et moi je vais aller voir un truc vite fait, donc c'est pour ça. Gamer déplie, c'est juste pour finir ma... Par contre, ce que tu pourrais faire, c'est vider le... après la fosse à fumier. Si t'as le temps, si t'as pas le temps, bah je le ferai moi. Ah bah je vais déjà aller voir si on a dans le bijou. Voilà, donc ensuite. Ouais, comment ça se fait qu'on a gagné de l'argent comme ça? Bah c'est les vaches hein, en même temps. Oui. Ah oui. On fait ce qui est en finiscaré là. Oui, mais après je vais me remettre dans le bon sens, t'inquiète. Donc est-ce qu'on a encore de la paille et tout? Alors oui, c'est nickel, on a déjà tout là. Donc comme vous pouvez voir hein, les stocks voilà s'agrandissent au fur et à mesure. Du coup il n'y a plus rien dans le BGO. Ah. Hop. Voilà, et le reste je vais le mettre en paille, normalement on aura un mélange total qui sera parfait. Ah ouais. Du coup moi je viens de... Ouais, je sais pas si la toute petite benne, tu sais, on peut mettre du fumier dedans. Alors je sais que il y a une benne où on peut mettre du fumier, parce que le souci c'est que la mettre à chaque fois dans l'épandeur et puis après l'épandre, c'est pas très réaliste. Ouais, joue en déplie ta buse comme ça, je vais en même temps. Donc c'est pour ça que je peux mettre à mesure, comme ça moi s'il y a 3-4 godets, ben on les ramène au stock jusqu'à avec ouais on les ramène jusqu'au stock avec le. Mais où est-ce que je vais avec moi avec mon truc là? Je me promène dans le truc et les vaches tranquille. Non il faut peut-être que j'aille les nourrir. Mieux. Reste de l'autre côté, gamer. Ouais, Ce que je peux faire, Flo. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bureur et je tente d'acheter la toute petite benne, la plus petite qui est dans le jeu. Oh, le gars avec, le gars avec la case. Que j'essaie de mettre. Tu sais, que j'essaie de mettre du fumier dedans. Et si t'arrives pas, on aura acheté une benne pour rien. On pourra la revendre après. Comme tu veux. Ok, le gars avec la case là de l'autre côté, comme je suis assez tout seul pour se carrer. Ah bah je vais faire alors, je vais aller voir. C'est bon, je suis plein. Ah oui, donc on a encore du fauchage, ouais, mais on a mis l'herbe, elle a dû pousser sur l'autre. Oh putain, c'est un bordel. Bah, pour l'instant, le fauchage, on le laisse de côté, on fera ça... Après. En juin, ça va mieux les patates avec ça? Oui, beaucoup mieux. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça va beaucoup mieux. En juin? Oui. Elle arrive à monter la case? Enfin, t'as la grippe? Oui, largement. Donc voilà. Alors, Ben. Donc, je vais mettre deux mélangeuses de chaque, hein, même si je sais, ça paraît peut-être un peu, mais il faudrait peut-être acheter après, plus tard, une deuxième mélangeuse, hein, comme ça on sera 2-3 à nourrir les animaux, parce que là, c'est vrai que tout seul, ça commence à être un peu rock and roll. Flou.
Oui, c'est moi. Je l'achète en blanc, la benne. Bah, tu l'achètes comme tu veux, peu importe. Ok, c'est bon. Merde. Gamer Simu, tu comprends quand je te dis il faut que t'ailles de l'autre côté ou tu comprends pas? Attends, quand même, je finis ma ligne. Mais oui, mais je te dis d'aller dans l'autre carré, comme ça on avance plus vite et hop, on peut tourner. Que là, si on tourne tous les deux dans le même sens, ça va pas le faire. Hein. Enfin, bah, tout ça, tous les deux, on reste dans le même carré, tous les deux. Regardez ça, les bras cassés là-haut. Oh là là. Bah, les bras cassés, bah, lui, moi, je comme donc, un défi pour rejoindre Gaming YouTube, parce qu'il s'est arrêté au milieu de travailler. Hein, donc, Non, non, mais c'est qu'on m'a appelé Skype. Si tu veux qu'on m'appelle tout le temps. Mais non, mais ça me saoule parce que je lui dis faut que t'ailles de l'autre côté pour finir le carré là-bas et moi je finis, c'est lui. Et il a pas compris, il me suit depuis tout à l'heure. Mais on va tous les deux dans le même carré, de toute façon je l'ai pas laissé une vie dans plan. Bah moi je vais dans l'eau. Une question sur l'inspecteur, vous voyez le transbordeur qui est plein, combien? Le transbordeur, il est où le transbordeur? Il est vide. Parce que moi je vois encore Colza à 3%, j'ai le bug. Et pour moi il est encore en train de filer. Mais il est où le transbo? Ouais, il est toujours à la ferme le transbo. Non, il est pas à la ferme, mais toi t'es... Tu sais que le transbo, je le vois pas sur le... Et normal, il est vide, et quand il est vide, ça affiche pas 0%. Ah ouais, bah c'est Coco qui a... Ouais, c'est moi qui ai un bug, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ah oui, bah oui, effectivement, oui. Non, mais je pensais qu'il y avait un bug au niveau du transbordeur. Ouais. Donc on va refaire encore un mélange, les amis. Tu veux de l'aide, Alès, ou pas? Parce que pour l'instant, les deux batteuses, ça va. Pour l'instant, ça va, regarde juste la benne à Angevin, voir si elle est pleine ou pas. Non, elle est pas pleine. Je surveille autant, mais... ouais. Elle est qu'à 44%. Et Flou, t'as vu, j'arrive avec le bon vieux bourrier. Ouais, bah ouais. par contre, oh, putain, il va falloir refaire de la paille en vrac, parce que ça descend. Hein. Ah ouais, tu prends déjà plus d'orange. Enfin, mais c'est pour ça que le champ 18, la grille, on le fera en paille en vrac. C'est-à-dire qu'on le ramassera à l'autochargeuse. On fera des deux, parce... non? Ben déjà on fera l'autochargeuse et après si on voit qu'on en a plutôt pas mal, on fera en bottes. Mais pour l'instant des bottes on en a quand même pas mal vachement. Ouais. Ouais. Vous avez pas remarqué dans la mise à jour 1.2, c'est plus les trucs tu sais sur les côtés qu'on va taper tout droit là. C'est plus pour mettre la rallonge ça. Maintenant c'est de haut en bas. J'ai même pas fait gaffe, figure-toi. J'ai même pas vu que ça avait changé. Pour faire quoi? Mettre la rallonge sur le télescope. Hein? Ouais, ah, mais oui, en fait ils ont changé plusieurs boutons dessus. Ça fait bizarre. C'est comme pour le grappin du télescope, les trucs mal foutus, t'es obligé de faire G à chaque fois si tu veux fermer la pince. Ah ouais, bah ça. Ça c'est chiant. Attends, je reteste un gars. Ok, donc on peut pas okay mettre. Donc là, on va voir donc au niveau des animaux. Donc là, haute ration mélangée, donc on a 92 700. Donc, t'as le temps largement de gérer là, il a 36%. Donc, gru pour ma part. Excuse-moi. Non, ouais, c'est bon, à toi. Tu me dis un petit retour Windows. Bon, du coup j'ai testé, ça marche pas dans la benne hein, donc. Ouais. Bah en fait ce qu'on va devoir faire maintenant c'est au fur et à mesure de un peu busy, bah, on le ramène on le ramène au Manitou. Hein. De toute façon c'est pas tellement loin. Ouais. Oh, du coup, là, il y a deux Manitou, il y a trois tracteurs en tout, il y a un T6 et deux Manitou, ça va vite. Hein. Ouais. Bah du coup. Du coup Gamer, tu bougeras le transbordeur vu que je suis parti vite la benne. Oh non, sérieux. Bah, je sais pas. T'as non, t'inquiète, tu vas là où tu l'as mis, me gênera pas. Bon, du coup, là, je vais réinitialiser le bureur. Ouais. Donc, je reviens les gars, deux secondes. Ouais. Donc la paille en vrac, bon bah là ça y est, il a vraiment pu. Donc pour pailler les animaux, bah, il faudra charger les bottes. Hein. Heureusement qu'on a fait des bottes d'ailleurs, parce que. Ouais, mais voilà. Vous comprenez les amis, donc on fait de la paille, de l'herbe et tout en vrac, c'est pour que ça aille beaucoup plus vite. Mais comme on n'en a pas eu le temps vraiment de faire encore, bah voilà, heureusement qu'on a fait des bottes, hein, comme ça on balance directement et puis c'est fini. Hein. On n'en parle plus. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on fait de la paille en vrac et des bottes. C'est vraiment voilà, au cas où on a un coup dur comme ça, qu'on n'a plus de paille en vrac. Service de secours. Ouais voilà, c'est vraiment un truc de secours. Hein. Ah mince, pour moi. Est-ce que je pense dans le champ? Dans le champ 18, on pourrait faire la moitié paille et la moitié, tu vois, il y en a un qui se met à la paille et puis on a à la presse et puis il y en a un autre qui se met autochargeuse. Putain, ça m'énerve ce bouton. Pomme de terre n'est pas acceptée ici, hein. Je me trompe de silo en plus à la fin. Et ça, il faut quand même le faire. Non, mais ce qui est embêtant, c'est quand tu recules avec la chopette. Tu peux chercher des bottes ou pas? Ouais, bah.
Deux secondes. T'as quoi sur ton télescope là-bas? Un godet. Donc là, je détache ça. Ce qui est drôle, elle laisse, c'est. Tu remarques, en fait, il reste que les vieux tracteurs à la ferme. T'as tous les nouveaux qui sont pris, qui sont partis dans les champs. Ouais, donc les vieux tracteurs, bon, c'est clair, je pense qu'on va les vendre. On va s'acheter encore deux nouveaux tracteurs pour les abonnés, hein, pour ceux qui viennent, ou alors pour ceux de la team. Voilà. Ah, parce que là, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'en fait on voudrait bien les vendre, mais le souci c'est qu'il suffit qu'il y ait un abonné qui vienne et qu'on a plus de tracteur, bon, on est pas dans la merde. Je t'ai ramené la benne. Ouais, mais Tiens. Coco, elle doit être pas loin. Et voilà, d'être donc. Je t'ai frôlé, ça a pas bougé. Oh non, tu m'as rentré dedans, ma machine elle a bougé. Hein. Donc oh. Voilà, le premier défi pour. La grosse elle a 73% jour, donc vite directement. Excuse-moi, Alice. Ouais, pour le retour bah voilà, de la ferme de vache. Donc un petit défi voilà, sympathique hein, pour monsieur l'agré virtuel. Donc voilà, donc choisissez un numéro entre 1 et 13. 1. Ouais, vas-y, 1. Donc le 1. Alors, il faut que je cherche le 1. Ah bah tiens, c'est nourrir les vaches pendant un épisode. Donc voilà. Donc bah voilà, tu vas finir l'épisode en nourrissant les vaches. Donc je vais sortir. Mon défi. Ça. Et ouais. En plus, c'est nourrir tout seul les animaux. Hein. Donc voilà, tu te débrouilles. Ça me changera un peu. Donc voilà, bonne chat. Bonne chat. Bonne chat. Bonne chat. Bonne chance à toi. LS, on sait que t'es en manque, mais pas tout ça quand même. Ouais, c'est vrai. Donc bonne chance à toi. De toute manière, c'était un défi facile. Hein. Enfin, je sais pas, mais. C'est un défi facile, sachant que j'ai déjà fait plus de la moitié déjà. Elle est pleine la grosse avec le magnum. Oui, LS, petite question. Oui. Le colza, je le vends, je le stocke aussi loin. Non, tu vends direct. Ok. On commence à être un peu léger là au niveau des thunes et au niveau des sous, donc c'est vrai que je préfère mieux avoir un peu de marge. Ouais, mais je vends auquel de points de vente. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Ne bouge surtout pas. Non, alors, le colza, donc il est en prix stable. Ah oui, donc dans les entrepôts, on a déjà 114 655 litres à vendre. Ouais, donc je peux le vendre. S'il est en prix stable, je peux le vendre un peu partout, quoi. Je vais te le dire où ils le reprennent le plus. Vas-y. Moulin farine, 2496 euros. Ok, bah je monte au moulin, c'est parti. Ok, donc si. Bah non, moi je vais aller vider le silo. Je vais juste faire un petit tour là. Le casse c'est bien mon tracteur hein. Donc comme vous pouvez voir Coco à ma gauche hein, voilà, c'est pas de conneries. Ma machine ne veut pas se vider. Moi je fais une connerie chef. Ouais bah de toute façon ça change pas d'habitude on va dire. elle est chef je suis désolé. Oh il y en a un qui est avec un code track là, avec un. Ah non c'est Chef je suis désolé, je viens de défoncer un panneau de signalisation. Ok donc bah à tes films. Un défi pour Coco, le stagiaire. Donc, mais ça, je le savais pas. Vous prenez un défi. Choisissez un numéro entre 2 et 13. 2 enfin, non, entre 2 et 13. Bon, ouais. Bah, LS, il a acheté son pick-up, ça se voit. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi 2. Petit problème, patron. Ouais, 2. Patron, ta machine à patates ne fonctionne pas. J'arrive pas à la vider. Ah. Alors, attends, bouge pas, je vais arriver. Donc, je choisissais juste un numéro entre 2 et 13. Non, moi, 2. Je dis 2. Alors, le 2. Donc, t'auras pas le droit de switcher. Oh, pas de problème. Bon, voilà. Je vais t'envoyer la case à l'autre bout du monde, tu vas aller me la chercher. Donc, est-ce que les ouvriers travaillent bien, là? Donc, on va faire un petit tour, les amis, hein, c'est normal, hein, c'est mon devoir de patron. Et là, je vais voir LS arriver au point de vente en train de voir si je bende bien ma benne. Par contre, LS. Oui, c'est moi. Là, je crois qu'il n'y a plus besoin de nourrir les animaux. Hein. Tant que c'est pas archi plein, tu fais. Bah, ouais. C'est archi plein, là, ça monte plus. En fait. Ah, bah non, mais tant que ça te dit qu'il n'y a pas assez pour 6 joueurs, bah tu continues. Mais oui. Bah, oui. C'est ça, c'est le défi. C'est hein. Ça, hein, c'est le défi. Et un défi, c'est fait pour être chiant. Hein. Oh, bah non. Oui. Encore le là, patron. LS, patron. Besoin d'aide. Ouais, donc attends, j'arrive avec le véhicule d'entretien là. Donc en même temps, le pick-up va servir de voiture d'entretien parce que sachant que dans un pick-up on peut mettre les outils qu'on veut. Hein. Donc voilà. Ouais, patron, faudra en vrai, c'est ce qu'on fait. Hein. Faudra amener la fourche à Yuen parce que un peu. En vrai. Le doigt s'est plié un peu. En vrai, nous dans le pick-up, on a une cuve à gasoil, un tonneau pour l'huile. Laisse-moi partir, c'est peut-être un fût de bière. Le fût de bière au cul, mon gars.
Ok. Coco. Mais attends, il est en train de vider la remorque, prends le transbo. J'y suis plein. Oui, bah tu attendras 2 minutes, tu vides la remorque et le temps que je remonte. Ah donc il faut appuyer sur O pour décharger la... Pour décharger la... Ah, okay. La donc je vais te la vider entièrement. À moins que tu veux faire autre chose, hein, moi je continue à faire les pommes de terre. Ouais, bah, y'a quoi à faire. Bah alors tu Le transporteur. Ah déjà, je vais aller vider la benne parce que ouais, tu peux vider le colza à la ferme, donc tu peux vider les silos de la ferme. Ou alors t'as du fauchage à faire si tu veux tranquillement. Tu viens vider The Gamer. Ouais, je vais vider The Gamer. En fait, ce gamer, c'est un vrai feignant. Ouais. Il veut même pas switch d'un véhicule, j'ai vraiment le transbordel. Ah oui, donc, oui. Maintenant, je le vois, il part avec la batteuse jusque là-bas. Il a, il est même pas envie d'attendre dans le champ. Oh, non, c'est un feignant, ce mec. Et c'est un feignant, c'est moi, je me tape le chemin avec la moissonneuse. Arrête. C'est un feignant. Et là, il va nous sortir. Et là, il va... T'as une mauvaise définition d'un feignant. Et là, il va nous sortir. Il faut du rendement, c'est normal. Bah, bien sûr. Tiens, tu reprendras dans le grand carré. Je te finis ta ligne là-bas au fond. Ok. Voilà, je suis en train de peiner ma benne. Par contre, moi, à 21h, je dois arrêter. Donc, voilà. Oui, bah. Voilà. On aura fini pour ça, on fait à peu près 40 minutes de vidéo. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, les gars, c'est que par rapport au 2013, les machines à betterave et à pommes de terre braquent vachement maintenant. Ouais, ça c'est vrai. Mais 2013, elles braquaient bien, je trouvais. Ouais, mais là, la route derrière, elle tourne vraiment jusqu'à l'intérieur, quoi. Ah oui. Sec quoi. Ah ouais, ouais. Ok. Donc il faut te vider comment, mon petit The Gamer? Bah là t'as plus tu bien. Tu prends le tuyau et tu tires dessus. Ah, LS. Attends, il y a un jus blanc qui sort, tiens, et c'est bon. LS. Oui. En parlant de ça, j'ai téléchargé l'Amazon pour télétravail. Super bien réalisé. Ouais, t'as mieux. Je vais vider Transbo moi. Ah oui, c'est avec la j'adore la texture du colza ou même du blé quand elle rentre dans le. Tu sais, dans pas le cueilleur, dans la coupe. Ah ouais. Ah, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est vachement beau. Dans le batteur. En fait, dans le contre-batteur. L'Amazon Terra, il le faudrait sur la ferme de coupage pour traiter les champs. Donc voilà, donc les amis, on fait un peu de pommes de terre, hein, ça fait toujours plaisir. Sachant que c'est très rare que j'en fais des pommes de terre. Franchement, dans le 2015, j'aurais dû en faire 2 fois depuis que j'ai le 2015. Voilà, mousseline. Faudrait qu'on mette le champ 15 après en betterave. On n'a pas d'arracheuse. Bah, moi j'ai une arracheuse large, les gars. Ouais, t'inquiète, moi aussi. Ouais, mais bon, tu sais que c'est un mode, on a déjà assez de mode comme ça, c'est ça le problème. Ouais, voilà, je te le dis juste. Je suis au champ 20 là en train de endainer l'herbe. Donc ça marche. L'herbe a l'air poussée dessus, je parie. Ouais. Ouais. Je vais manger l'arbre comme le patron est à côté. Ah, moi, si j'aurais été toi, j'aurais été la faucher et puis après j'aurais endainé, ça aurait été un peu trop tard. Bah, après, tu fais comme tu le sens. Bah, il y avait déjà l'endaineuse ici, donc. Ouais, bah, tu fais comme tu le sens. Je finis ma ligne et puis. Ah, alors, bouge pas. Moi, je vais appuyer. C'est vrai que là, au niveau des points de dé, on a quand même un sacré rendement. Hein. Ouais. Vas-y, envoie la sauce. Je te l'envoie là, je te l'envoie à fond dans le cul. Enfin, dans le cul du transbordeur. Hein. Donc, ça, on a un défi pour gaming hein, parce qu'il a des propos obscènes. Hein, donc, Petit défi. Oh, je rigole. Donc, en fait, après, j'ai pas voulu dire ça. Hein. Ouais. Donc, la petite arracheuse à pomme de terre, on va quand même la laisser pour les défis, sachant qu'il y a un défi avec. Oui, donc, de LSW. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va pas faire tout le champ de pommes de terre. J'ai été le premier à le tester en plus. C'était bien ou pas, The Gamer? Non. Il en a encore traumatisé. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. C'est moi ou les ouvriers consomment de la semence maintenant? Oui, ils consomment de la semence. Et du gasoil. C'est déjà plus réaliste. Ouais, ben on va terminer de remplir la benne aux pommes de terre, puis j'entrerai pour les pommes de terre. Ouais, et regarde déjà tout ce qui. Un petit peu à la moisson que j'ai vidé la grosse remorque. Non, bah vas-y. Ah non, attends, je descendrai avec le transport. Attendez, bah tu sais quoi, je mets un ouvrier. Ah merde, c'est vrai, on peut pas mettre d'ouvrier pour les pommes de terre. Tu veux que j'aille LS? Ah non, je dois rien faire. Champ, putain. Bah LS, au pire, je te descends le transporteur, et puis comme ça, tu remontes avec le transporteur au champ. Comme ça, je prends directement la chose à ma tête. Ouais, ça marche.
Tiens, parce que j'ai pas le droit de switch. LS, regarde tout ce qu'il y a comme nourriture dans les animaux. Ouais, attends, je peux pas te faire. LS, je t'ai déposé. Ouais, dès que t'as un moment, regarde. Non, c'est qui a la grosse remorque? C'est à moi. Ah, bah, moi, je sais pas. Moi, je prends quoi? Tu devais prendre le transbo. Enfin, je sais pas comment. Bah oui, mais moi, c'est le muscle qui tourne pas. Ah, merde. Bah je vais vider ça en vitesse et je reviens. Il y a une moissonneuse qui tourne pas là. Ouais, bah du coup, bah non. Moissonneuse. Bah, si, elle tourne maintenant. Ah. C'est qui l'a pris? Ce que c'est avec. Que je monte à autre chose. Par contre, c'est où déjà qu'il faut les vider, les gars? Je sais plus. Moulin farine. Ouais. Moulin farine, c'est parti. Moulin farine. C'est pas, pour dire, mais c'est pas pour dire, mais la racheuse à patates, je crois, elle se fout de ma gueule, elle est trop longue à descendre. C'est parti, je fonce les gars. Oh. De toute façon, on a le temps, là pour l'instant, ça descend pas trop les tarifs. Donc... Ouais, bon, hein, la racheuse à faire, je vais reprendre le transporteur, on verra. Ah, elle est magnifique l'animation là des faucheuses. Ah, ouais, ouais. Ça fait combien de temps que tu joues à Farming en jeu pour que tu découvres tout ça? J'ai que 30 heures de jeu. Bah merde, c'est déjà bien. Moi je vais presque arriver à mes 1000 heures alors. Bah en fait j'ai fauché mais avec la petite seulement donc. Enfin, peut-être pas 1000 heures mais 600 heures sûr. Et t'as vu comme c'est trop beau quand même que quand le colza rentre dans la barre de coups quand même, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est un truc de... Ah ouais, c'est vraiment un truc de cinglé qu'ils ont fait. Par contre, ça doit faire au moins 3 temps machin j'ai mis là il y a combien de temps? Hop. Bah, continue. Aïe. Ouais, mais attends, je regarde combien il y a. Alors, hoche rotation mélangée. Ouais. Ensilage. Ah, ouais, il y a déjà pas mal. Bon, on va voir combien je peux mettre encore. Merde, j'ai loupé l'entrée, je suis allé en face. Oh là là là. Ça vaut un défi. Bah, en fait, non, mais je suis allé dans le chemin d'en face au mieux de tourner à l'entrée, quoi. Je suis pas allé dans la trace. T'as pas un problème de klaxon, Coco? Alors. Hop là, merde, je suis allé trop loin. Je pense qu'il y a assez là pour le moment. Hein. Oh, Coco! J'ai rien fait! Arrête, il m'a foncé avec sa masse dans la barre de coupe. Ouah, c'est bon. Petit défi. Ils sont en train de bousiller ma barre de coupe, ils font se tuer dedans. Donc voilà, donc un défi pour ce gamer, hein, sachant que c'est pas. Arrête mon gars. Bah c'est pas moi qui t'es rentré dedans, c'est toi qui a foncé dedans. Oh, c'est pas moi. Arrête, j'étais à l'arrêt et toi t'as voulu reprendre le champ. Non. Alors, t'es à l'arrêt, tout d'un coup t'as recommencé, tu m'as pas vu arriver sur ton côté gauche. Ouais, c'est ça. Donc vous choisissez un animal. Ouais. Oh le fuck. Le 13. Je t'ai mis dans le truc, moi. Le 1, on peut plus l'utiliser, il a été utilisé. Bien. Ah ouais, mais Flo, il assume pas. C'est un truc de ouf. Ah, donc le tout nouveau défi qu'on va pouvoir enfin, on va dire, refaire. Donc, on va te donner le surnom de Papy, donc Papy Mougeau. Hein. Voilà, ah, donc, c'est on va t'appeler Papy Mougeau et tu vas devoir faire la voix de je suis un fou, comme ça. T'as intérêt à le faire. Hein. Ah, parce que sinon, je suis ton tape 2. Avant, je m'appelais Papy JS, les gars, donc respect plus. C'est bon, ce gamer. Ouais, Papy. Voilà, maintenant, ce gamer, il part plus, tu vois. À chaque fois, c'est comme ça. Je mange. Mais oui. Les gars, Papy. Oh, petit gueule, je bouffe mes PN, là. Quelqu'un pourrait pas m'envoyer une bière et un petit bout de pâté là. Un petit bout de attention, pâté. Coco, c'est dangereux là, attention. Hein. Ah, t'as vu, il demande de la bière, ça va un défi. Alors que tu travailles. Tu as touché à la bière que j'ai acheté à Flo là, ce matin. Ouais, hey, Flo oui. Flo. Oui, papy, qu'est-ce qu'il y a? Papy Mougeau. Je vais couper quelques fils dans la moissonneuse parce que. Un peu trop d'électrique. Hein. Il vit à l'ancienne encore, lui. Il vit avec les manettes, c'est bien vieille, bien dur à faire fonctionner. Dur comme. Flo, regarde, qu'est-ce qu'il y a comme.
Papy Mougeot, fais attention, tu vas perdre ton dentier, la batteuse. Attends, le dentier de la moissonneuse va devoir aller chercher dans le champ. Oui, les gars, je suis là, j'arrive. Moi, je suis en train de faucher le champ. Flou. Oui. Regarde qu'est-ce qu'il y a quand même comme capacité de nourriture pour les vaches. Comme par hasard, c'est qu'il y a une entière. Ouais, jure. Excuse bidon. Ça. On sait que t'es là. Ouh. Ouh. C'est passé pas bien loin. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cet épisode vous a quand même plu. Hein. C'est vrai que ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas été, mais voilà, tout doucement on reprend tous les anciennes séries qu'on a laissées un peu de côté. Donc voilà. Mais je crois qu'il y a The Papa, j'ai entendu tousser, il me semble. Ouais. Yeah. Et vous avez vu comment je suis trop fort quand même. J'arrive à le reconnaître. Bravo. Donc, ouais. Donc salut à toi, The Papa. Salut tout le monde. Salut. The Papa, tu sais, tu vas rigoler, mais je viens de me prendre un défi en fait. On vient de recommencer, mais je viens de me prendre un défi. Et je sais plus à qui encore. Ouais. The Gamer, et puis il y en a un qui a pas de Twitcher. Il y en a un qui a pas de Twitcher. Ouais, toi. Mais tu vois. Ce qui est marrant, c'est que ces gamins, on doit l'appeler Papy Mougeot, mais il est parti. Ouais. Il, à chaque fois qu'on lui donne un défi, ben il part. En fait, je dois partir, il trouve une excuse. Il dit à chaque fois, je dois partir. Il esquive. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, on l'aura pour la prochaine partie. Bah voilà. Je pense qu'il y a assez avec ce qu'il y a comme capacité. Oui, bah si tu penses qu'il y a assez. Ouais. Normalement, le prochain qui aura droit à ce défi, ça sera pendant tout l'épisode. Hein. Donc, l'épisode vient de débuter, bah, vous devez nourrir les animaux pendant 40 minutes. Hein. Voilà. Ouh, ça doit faire mal. Donc, à part si vraiment tout est rempli au taquet, bon, là, cette fois, on achètera des animaux pour que vous ayez encore besoin de nourrir. Du coup, Johan, t'as quand ton PC? J'ai autre chose à penser, là, tu vois, pour le moment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, ouais. Ah oui, il y a même autre chose à penser, ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas. Vous inquiétez pas, je viendrai, j'arrive dans. Non, ouais, mais tu sens, comme on dit, hein, plus c'est long, mieux c'est bon. Plus c'est long, mieux c'est bon, hein, comme on dit. Ah, c'est sûr, oui. On m'a toujours dit, c'est au cœur de la meule qu'on est le mieux. Ah oui. Alors, je dirais pas quelle meule, hein, mais c'est vrai qu'il fait bon, il fait chaud, c'est humide, c'est. Voilà, c'est tranquille, c'est tout ce qu'il faut. Ouais, voilà. Donc, si c'est humide, il faut se poser des questions, les amis. Voilà. Si ça sent le fromage de chèvre. Oh putain! Oh non, vous êtes dégueulasse. Ouais, putain, franchement, vous abusez. Là. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel pour passer le goût, merde. Oh non! Papa! Et tu rajoutes un petit peu de crème fraîche aussi. Oh non! Non, les gars! De la ciboulette. Impeccable. Donc, on a Maïté, hein, donc salut à toi. Salut tout le monde. Un peu d'huile et de ciboulette. Un peu d'huile d'olive pugée. Donc voilà, donc le pick-up, donc c'est le pick-up de service, hein, donc pick-up de réparation. Le pick-up du chef. Voilà, on va aller le ranger. Du coup, ouais, il faudra penser à ramener le truc à Yuan, le tracteur. Versus. Oui, bah pour l'instant. Il y a deux choses à penser quand voilà, même. Pour l'instant, il n'est pas là et il est en congé, donc voilà. Ouais. J'ai pris, on va dire, une micro-année sabbatique. Voilà. Oh là là. T'as pris quelques mois de congé. Je vais venir, vous inquiétez pas. Mais quand je vais venir, sauvez-vous de devant, les gars. Le mécano est par contre du service. Ouais, mais vaut mieux qu'il s'évite de casser encore les tracteurs parce que sinon, à la force, on n'en aura plus. Ouais, c'est vrai. On va finir par passer dans le bureau. C'est qui déjà qui avait cabané avec les tracteurs là? Ouais, c'est pas moi comme j'y viens pas souvent. Donc, C'était Wallon et c'était bloqué dans un arbre même. Oui, oh, putain. Donc les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Je pense que là, on a quand même bien taffé. On vous a bien montré, voilà, pour le retour, hein, une petite vidéo, voilà, de 39 minutes là. Donc on va commencer à ranger un peu le matos qui ne sert plus à rien. J'ai rangé le transbo perso. Ok, tu l'as nettoyé au moins? Oui, chef. Bon, je le rattelle, vite. Le gars, t'es. La grille, t'es gentil de te barrer avec la benne. Mais attends, Moi, j'ai toujours pas fini de faucher, donc. Oui, bah, je le range pas. Hein. Et là, ce gamer, il. Par contre, il est
intervenir en fait vidéo. Oh merde, oui, si j'appuie sur le même bouton pour enlever le mode échappe, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais voir aux animaux ce que tu as donné. Vas-y avec ton pick-up, LS. Papa, imagine-toi. Donc, on a 222 vaches maintenant. Ouais. On a 100% de productivité. Ça nous rapporte à peu près du 205 227 litres de lisier. Bon, là, on a 616 de fumier parce qu'on a été raclé. Ouais. Dans l'auge, ratio mélangé, il n'est pas à fond. Hein. On a en tout 140 100 litres. D'auge d'ensilage, on a 80 400. C'est pas rempli. L'auge à l'herbe, c'est pas rempli non plus, c'est 94 800. Et la paille, 77 100 litres. Alors imagine quand on va être à 1000 vaches. Putain, vache. Là, je crois qu'il faudra en mettre un tous les jours dessus. Ouais, c'est vrai, hein. Celui qui va devoir se taper le défi de nourrir les vaches tout seul. Oh là 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 là, mon dieu. Je viendrai lui faire un ou deux câlins de temps en temps. Je pense que le gars va se suicider. Ça, c'est un abonné qui tombe là-dessus, il sera traumatisé. Ouais, l'abonné à peine arrivé sur la série, tu sais. Ah bon, bah, c'est bon, tu tapes un défi, tu remplis la loge, à 1000 vaches. Ouais, voilà. Donc voilà, là, donc j'ai, ça, mal, j'ai des petits coups de lag là, je sais pas ce qui se passe. Moi aussi, de temps en temps, j'ai des petits coups de lag. Pour une fois, moi j'ai fui. Je laguais pas du tout. Elle a fait ta batteuse avant Jean-Claude. Hein. Oh là 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 là, alors ça c'est qui? Donc Coco, ok, donc deuxième défi Coco avant la fin. Hein. Donc voilà, il a défoncé la barre de coupe de la Hollande. Donc ça c'est con, hein, juste avant la fin de la partie. Hein. Donc les amis, vous choisissez un bon, vous faites 4. J'en ai marre de la vie. En plus, je me suis coincé. Merde, j'ai mis 47. Je voulais dire 4. LS, je me suis coincé. Okay. Moi, je dis 4. Oh, mais il a tout défonce. Ouais. Oh là là là, barre de coupe à malice. Oh. Allez, bon, okay, donc, vas-y. Du coup, comme ça fait comme de défi, donc je vais choisir exactement ce que tu vas devoir faire juste avant de finir, bien sûr, le truc. Hein. Donc tu vas devoir faire des compliments au patron. Oh ça va, merde, il est pas à plein. Oh, hein. Oh putain, mais c'est qui va me... Putain, et le Karcher. Allez, le Karcher en plus. Donc je t'écoute, Coco. LS, t'es le plus... T'es le meilleur. Parle plus fort, on t'entend pas. Ouais, on t'entend pas. Hein. Oui, LS, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le roi, tu es... C'est tu beau, es toute oui. ma vie. Voilà, tu es toute ma vie, je t'aime. I love you, épouse-moi. Dis oui. il dit non. Oh. Attention, LS. Oula. Oula, il faut éviter les bras cassés là, parce que sinon. Moi je range le bordel qu'il a fait, l'autre. Ouais, c'est vrai qu'il a défoncé, mais franchement, papa, tu verras, parce que j'ai vraiment filmé en direct live. Hein. Donc tu verras le carton. Ça va faire encore du boulot, ça va falloir réparer. Je suis en train de faire un câlin à la batteuse. Donc en tout, t'as le New Holland TV. LS, t'as les deux barres de coups. Attends, me coupe pas. Regarde la coin. Mais putain, tu vas fermer ta gueule. Ouais, j'en ai plus rien à foutre. Et t'as la barre de maïs. La barre à coupe de maïs. Et le Karcher. Merci les gars. Merci. T'as oublié le Karcher. C'est plus avec un plaisir que tu vas réparer tout ça. Ouais. Donc le semoir avec le T9 et le pulvérisateur, tout ça, on va laisser ça au champ si on en a avoir besoin. Donc ça, on peut ranger. Attends, je vais juste pousser un peu le cueilleur pour qu'il voilà. soit rangé. Oui, oui, oui. Oui. Alors, replier la buse. Voilà, on va replier. Ok, c'est nickel. Donc ça, on va garder par contre hein, la machine à patates et tout là. Si on va en avoir besoin pour les défis. Voilà, j'ai tout remis. Oh là là. Bon, faut que j'ave mon cracker aussi. Bah du coup, LS, je vais voir s'il marche toujours le Karcher. Hein, du coup. Ouais, bah j'espère, hein, parce que s'il nous a bousillé le Karcher, je vous le dis. Hein. Ouais, c'est bon, c'est il fonctionne, mais il a un peu de mal. Hein. Ouais, il a un peu de mal. Hein. Je le vois là, il... C'est moi, il y a une charrue qui est en train de voler à moitié. Venez voir, la grille, elle joue. La grille, elle joue, on vient voir. Mais je vois rien. Jouons, viens voir, on est pour la route.
Ouais, je la vois, hein, mais... Non, parce qu'il a dû... il faut lui faire un test, hein, papa, il faudra que... plus tard, il faudra que quand tu viens dans la partie, que tu le surveilles, c'est-à-dire que tu lui fasses des étylotests et tout, parce qu'il m'a l'air d'être un peu... Je crois qu'il a pris... Ils sont chauds. Ouais, ouais. LS, je crois qu'il a pris tes bières. Je crois qu'il a pris tes bières. Ouais, ouais, je crois aussi. J'ai cru le voir tout à l'heure. Jouons, la rouge, je suis là. Moi, je la vois. Je la vois pas en l'air. Ouais, je la vois en l'air. Eh, mais les gars, va falloir lui faire une audition oreille inale et zionale. Hein, comme. L'autre, il se ramène. Et d'ailleurs, comme tu profites à chaque fois que quand tu as un défi, que tu dois partir, hein, donc pour la prochaine partie, pendant 30 minutes, tu devras faire le défi que je t'ai donné tout à l'heure. Ouais, j'ai trop parle en pépé. J'ai trop d'aller manger quand même mon bout de pâté, putain. On s'en branle de ton pâté. T'as un problème avec mon pâté, toi. Tu vas prendre une petite forge dans le cul. Donc voilà, donc on va pas ranger tout le matos. Coco, repose le pick-up, sinon je le vends. Flo, alors déjà que j'ai une arthrose, et l'autre il m'a shooté avec son pick-up. Donc voilà, on achète un pick-up, déjà... Mais c'est encore Coco. C'est Coco qui a le pick-up. Il m'a dit, je suis à Pétrave, là, qu'est-ce que tu vas lui faire, hein. Coco. Bon, je vais ranger. T'as lavé la masse à gris sur le... Bref, moi je dois rien lire, hein, parce que je dois... Oui, attention, ça arrête là. Donc, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu avec des gros feuilles à la fin, hein, voilà, comme par exemple. Donc voilà. Donc... Reste là. Ah ouais, tu viendras me sucer après. Reste là, tout de suite. Donc voilà, les amis, donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et vive la simulation. Allez, salut. Salut, les amis. Salut les loups.